Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment activer le filtre anti-lumière bleue sur Windows 10. Allez, c'est parti. Des études scientifiques ont démontré que la lumière bleue empêchait ou retardait du moins l'endormissement chez les utilisateurs de tablettes, de PC, juste avant d'aller se coucher. Du coup, il y a des filtres qui ont été créés aussi bien sur Android que sur Windows 10. Et vous allez voir, sur Windows 10, il est déjà présent depuis presque maintenant 2 ans. Et je vais vous montrer comment l'activer, c'est assez simple, et comment le configurer. Allez, la suite se passe sur le PC. Nous voilà sur le PC. Vous allez voir, pour l'activer, c'est très simple. Sur Windows, le filtre anti-lumière bleue s'appelle éclairage nocturne. On va dans le menu démarrer. On va dans paramètres. Et système, et ici on tombe directement sur notre éclairage nocturne, donc on peut l'activer et on va voir en fait qu'il y a différentes manières de l'activer. Donc pour ça on va dans les paramètres. Alors on peut l'activer maintenant, ça va permettre, comme vous voyez, l'image change donc de plus chaud à plus froid au niveau de la luminosité. Donc on peut le laisser en actif tout le temps. Sinon, on peut lui définir des heures, heure de début et heure de fin, donc en plage horaire. Ou sinon, si on active notre paramètre de localisation, donc là, on clique ici, on fait modifier, activer l'emplacement de l'appareil. Donc, et du coup, il va... Donc on active ici, et ici on autorise les applications à accéder à votre emplacement. Donc avec votre connexion internet, vous allez être géolocalisé, et du coup on peut se mettre ici du coucher au lever du soleil, qui changera tous les jours vu qu'il va se servir de votre zone géographique pour activer ou désactiver ce filtre. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt !